Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous pouvez regarder des vidéos TikTok quand vous êtes hors ligne. TikTok déploie progressivement une nouvelle fonctionnalité qui permet de regarder des vidéos quand on est hors ligne. Cela est utile si on est en voyage ou tout simplement on est dans une zone non couverte de réseau Internet. Le déploiement se fait progressivement. Si vous ne l'avez pas encore, essayez de mettre à jour l'application. Sinon, attendez encore quelques jours et ça va venir. Alors, pour l'utiliser, vous allez lancer l'application TikTok. Après, allez dans votre profil. Dans votre profil, vous allez dans les trois traits horizontaux ou à droite. Après, allez dans paramètres et confidentialité. Dans la liste, cherchez vidéo hors ligne, appuyez. Alors moi, j'ai déjà des vidéos, j'ai 49 vidéos que je peux regarder en ligne pour se faire une première fois. Vous allez vous retrouver avec cette interface et là, l'application vous propose de télécharger 50 vidéos, 30 minutes de visionnage, 27 mégaoctets. 100 vidéos, 50 minutes de temps de visionnage, 70 mégaoctets. 150 vidéos, 70 minutes de temps de visionnage, 100 mégaoctets. Et la dernière proposition, 200 vidéos, 120 minutes de temps de visionnage, 150 mégaoctets. Donc ça désigne la taille, ça se désigne le taux et là ça se désigne le nombre de vidéos. Donc à vous de choisir, ça vous allez bien sûr le faire quand vous êtes en ligne, quand vous êtes connecté à l'internet, soit via le wifi ou dans les mobiles, mais de préférence il faut le faire quand vous êtes par exemple connecté à un réseau wifi. Alors pour choisir son vidéo, il suffit de cliquer dessus, ça va être activé devant, après appuyez sur continuer et le téléchargement va commencer. Alors télécharger via la connexion Wi-Fi uniquement, si vous souhaitez télécharger seulement quand vous êtes connecté au réseau Wi-Fi, appuyez ici, si dans les deux cas, laissez désactiver. Moi j'ai déjà donc téléchargé son vidéo hors ligne. Je peux les regarder. Comme vous remarquez, j'ai ici 49 vidéos non regardées qui hors ligne. Donc, je peux regarder 49 vidéos hors ligne. Ça, c'est très utile et c'est quelque chose qui est très important que TikTok vient d'ajouter. Alors, pour télécharger d'autres, vous allez tout simplement dans paramètres et choisissez le nombre de vidéos que vous souhaitez télécharger. Alors, pour effacer les vidéos déjà téléchargées, si vous les avez déjà visionnées, il suffit d'appuyer sur « Effacer ». Je précise, si vous n'avez pas encore cette fonctionnalité, premièrement, vous allez vérifier la mise à jour en allant sur Play Store, chercher TikTok et après, si la mise à jour est disponible, appuyez sur « Mettre à jour ». Sinon, donc, elle n'est pas encore disponible dans votre pays, patientez. Pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, et l'option arrivera chez vous. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera très importante.